Les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partager un petit, ensemble un petit moment pour travailler l'hybrid picking, qui est une technique que j'aimerais bien maîtriser un jour en fait. Donc ici, j'étais dans un contexte modulant, mais on peut faire déjà simple sur une seule cellule. Donc on va prendre un arpège à 4 sons, en l'occurrence un Mi Maj 7. Donc là, je vais mettre voilà, un petit son clair. Donc on va détailler un peu l'arpège, ensuite on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la technique purement main droite, donc quel doigt on utilise, les coups de médiator, etc. Donc déjà une petite revue de l'arpège Maj 7 de base. Ok, sur un Mi Maj 7. Donc là l'idée c'est de garder un débit constant de double croche par groupe de 4 notes. Donc je vous explique, ça va faire... Et en fait, il y a un petit truc que j'utilise parce que si on fait vraiment un groupe de 4 notes, on va se retrouver avec des doigtés à la con en fait. Vous voyez là, ici là. Donc pour ça, j'évite de revenir sur le Mi, mais je vais sur la 9e. Comme ça, ça ouvre un peu plus la main et ça évite d'avoir une position serrée dans les groupes de 4 et tout, c'est plus facile. Donc. Voilà. Au niveau de la main droite, je vais toujours faire des coups vers le bas au médiator et utiliser deux doigts en fait. Donc moi j'utilise le majeur et l'annulaire pour les groupes de 4 en fait. Ensuite on repart de la note précédente. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Et après ça fait 1, 2, 3, 4. Ok. Vous voyez ? Et une fois qu'on arrive ici, donc à la 7e majeure du Mi, hein, il n'y a pas trop moyen en fait de faire de l'hybrid picking de façon pour descendre l'arpège en fait quoi. Donc on va combiner deux techniques, l'hybrid picking quand on monte l'arpège et quand on va descendre, on va faire du sweeping pareil et là en groupe de 4. Okay. Donc déjà ça, on va essayer de se le faire au métronome, peut-être en croche, lentement. Alors je me mets à 80. Alors j'ai loupé une petite note, vous voyez que c'est bon aussi pour moi que je le travaille comme ça. Mais je vous encourage vivement à intégrer ce petit pattern. Alors certains diront oui mais c'est pas de la musique, c'est juste un truc. Alors oui, vous avez raison, mais moi personnellement j'ai besoin de passer par cette étape là pour sentir le flow de 4 notes, de séquencer l'arpège par groupe de 4 notes en tenant le débit continu de double croche et sur un arpège en continu, éventuellement avec un autre arpège après quoi. Donc je le fais encore en croche un peu, puis après on essaie de taquiner vite fait la double. J'avais déjà envie de faire de la double, pardon. Alors une fois qu'on a réussi à le faire bien propre, ça prend du temps hein, déjà d'arriver à bien combiner les sons avec les doigts et de faire ça clean avec des déplacements optimisés, on va dire. Déjà, ça prend du temps. Allez, je le refais encore peut-être une deuxième fois, peut-être deux fois d'affilée avec le même arpège. Toujours en croche. Pardon, je suis allé un peu plus loin dans l'exercice, donc j'arrête un instant le métronome. Voilà. Donc une fois que vous avez capté un peu
le motif finalement, le nombre de notes par corde et tout ça. Ça va être pareil pour l'arpège de Mi mineur 7 après. Sauf que là, on va garder vraiment les notes pures de l'arpège en fait. On n'ira pas chercher la 9e quand on l'a fait. Surtout pour des raisons techniques dans le premier cas, mais là il n'y aura pas besoin parce qu'on va tomber sur des doigtés qui sont assez bien négociables, on va dire. Donc pareil, on va monter 4 notes, coup de médiator, hammer, premier hybride pick avec le majeur, et le deuxième avec l'annulaire, ce qui nous fait un groupe de 4. Et là pareil, je vais venir tout de suite faire un hammer sur la tonique. C'est vraiment la seule... le seul endroit où on brise un petit peu la règle pure, on va dire, du séquencé par 4. Mais je trouve que ça sonne pas mal. Après, on va faire ce que moi j'appelle un retour du doigt 2. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas y revenir ici. Prochain groupe de 4. Et le dernier. Et là, on va faire un petit pull-off. Pareil, on va faire après du sweeping pour descendre. Hein. Donc c'est pas mal à avoir dans les doigts ce genre de truc. Allez, on essaye un peu avec le métronome, d'abord en croche, après en double croche, et on finira avec les deux arpèges mixés ensemble. Vous voyez que c'est pas si facile que ça, donc c'est bon de le pratiquer un petit peu comme tel. Et puis après là, on va essayer peut-être de mixer un peu les deux arpèges. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu ce petit exercice qui combine donc les arpèges à 4 sons, la technique de l'hybrid picking et le fait de rester en double croche de façon constante. Donc hybrid picking quand on fait l'arpège de façon ascendante et sweep picking pour descendre pour des raisons vraiment purement techniques. Quoi. C'est intéressant à choper comme rien que pour la technique main droite en fait déjà, et même au niveau de la main gauche pour être précis un petit peu avec vos hammers et tout ça. Franchement ça, moi c'est bénéfique pour moi de le travailler cet exercice en ce moment, et là j'en suis rendu au stade où j'arrive à en extraire des cellules et à pas forcément commencer sur le premier temps, disons en contexte de phrasé quoi. Donc bien sûr que là ça fait un peu exercice, j'entends bien, mais faites-le, vous allez voir que ça peut être intéressant pour avoir peut-être des phrases un peu plus longues par moment, quand vous voulez débouler un petit peu ou donner un peu d'intensité peut-être dans vos chorus quoi. Alors avec un peu de... ça peut toujours être intéressant de le faire. Alors peut-être que je pourrais peut-être vous le montrer d'ailleurs. Est-ce que je peux essayer en direct de le faire sur un petit backing? Alors je vais essayer sur celui-là, tiens, encore comme j'ai fait un peu dans la démo du début. Thank you.
voyez comment je peux petit à petit en extraire des cellules. Alors je l'ai fait vraiment vite fait là parce que j'ai aussi besoin de bosser. Je ne suis pas du tout dans la maîtrise encore de cet élément là, mais j'essaie de le rajouter progressivement dans mon arsenal technique et mon vocabulaire un petit peu pour essayer de progresser, tout simplement d'avoir des nouvelles idées tout le temps, quoi. Donc j'espère que ça vous aura motivé à bosser un petit peu ce petit concept, cette petite idée un peu sur les arpèges, l'hybrid picking et le sweep. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à faire quelques suggestions si jamais vous en avez. Allez, bon travail, ciao.